Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global. Bonjour à tous. En ce mercredi 26 juin 2024, nous sommes à Lyon, à l'Orangerie du Parc de la Tête d'Or, où ouvrira ce vendredi 28 juin l'exposition « Devenir jardinier planétaire, la préséance du vivant » à l'initiative d'Archipel. Et nous avons le plaisir, pour parler de cette question de la préséance du vivant durant cette heure, avec ses commissaires, le paysagiste Gilles Clément. Bonjour. Bonjour. L'atelier des paysages contemporains Coloco du Mans, représenté par Miguel Georgiev, Pablo Georgiev et Nicolas Bonenfant, ses cofondateurs. Bonjour. 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 Et Cécile Tournebeuf, coordinatrice de l'exposition. Bonjour. Bonjour. Pour commencer, cette exposition, pour un peu recontextualiser les choses, elle a été initialement présentée au potager du roi de l'École nationale supérieure du paysage de Versailles dans le cadre de la seconde édition de la Biennale d'architecture et du paysage d'Île-de-France, il y a 2 ans, tout pile, je crois bien. J'aimerais savoir quelle a été sa réception dans ce cadre. Comment le public, en 2022, dans sa diversité, j'imagine, a réagi à cette question de la préséance du vivant. Est-ce que vous en avez des informations? C'est très difficile de répondre à la question. Gilles Clément. Voilà, tu peux dire quelque chose? On peut commencer par des données quantitatives. Oui. Donc, il y a eu 40 000 visiteurs à l'exposition. Donc, il a duré 3 mois. Et il y a eu donc 400 jardiniers qui ont participé au potager des autres, qui est donc un jardin qui était attenant à l'exposition et qui en faisait partie, puisque lorsque nous avons visité les lieux de l'exposition, à savoir le pavillon des Suisses, qui est une salle de cours pour les étudiants de l'ENSP, l'École nationale supérieure du paysage de Versailles, dont ils ont été dessaisis pour l'exposition. Il y avait devant ce pavillon qui finit le jardin hardi en cul-de-sac, des grandes lanières de plastique noir, comme on peut voir dans les campagnes, qui servent à empêcher les herbes de pousser. Et nous avons vu cet espace et nous avons compris qu'il allait y avoir ces sortes de grands sacs poubelles déroulés devant l'exposition. Et à l'époque, c'était Vincent Pivetot, le directeur de l'école. J'avais fait cette visite de repérage et je dis à Vincent, mais Vincent, cette parcelle est en régénération, on peut y faire un jardin. Oui, pourquoi pas. Et ce jardin ferait partie de l'exposition. Oui, pourquoi pas. Du moment que vous tenez dans le budget, c'est bon. Et c'est parti comme ça. Et c'est parti comme ça, donc 400 jardiniers. Après, oui, Miguel. Il y a une donnée peut-être qui nous a surprise, qui était celle d'avoir beaucoup de visiteurs des métiers amis, on va dire, des paysages, des paysagistes, c'est-à-dire des architectes, des urbanistes, des gens concernés par l'aménagement du territoire en général. On l'a vu lors des visites et la façon de l'exposer à ces personnes-là. Et beaucoup de grand public, on va dire, certainement des jardiniers amateurs ou des gens qui venaient visiter le potager du roi, dont on a aussi profité de la visite mutuelle entre exposition et potager du roi, qui est quand même un lieu exceptionnel. On voudrait remercier l'école du paysage de nous avoir accueillis là. Mais c'est un peu les surprises. Je pense qu'il y avait un facteur aussi un peu post-Covid, d'avoir envie d'extérieur, de toucher la terre, de participer au jardin, de voir une exposition qui parle de ces sujets-là. Et c'est pour ça qu'elle a été plutôt très bien reçue, cette expo. Il y a eu d'ailleurs un décalage de 1 an, puisque l'exposition devait se tenir à l'origine en 2021. Et à cause du Covid, elle a été décalée à 2022. Mais elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Elle a eu lieu. Ça, c'est la bonne nouvelle. Nicolas Bonenfant. Non, une des bonnes surprises. Moi, je m'occupais beaucoup du jardin. Donc, j'y étais 3 ou 4 fois par semaine. Et une des bonnes surprises, ça a été les scolaires, en fait. Nous, on s'attendait à avoir des enfants pas du tout formés, pas du tout au courant des choses. Un peu avec un a priori de vieux, on va dire. Et on s'est retrouvés avec souvent des scolaires... on va dire toute la maternelle et les primaires, avec des professeurs qui avaient vraiment fait un bon boulot en amont, et donc des enfants
contrairement à ce qu'on peut se raconter, qui savait nommer, qui comprenait les choses, qui n'avait pas peur des coccinelles, qui n'avait pas peur du tout des guêpes. Il y avait des guêpes partout, des abeilles partout, enfin il y avait beaucoup de vivants. C'était l'un des sujets, c'était vraiment d'inviter le maximum de vivants non humains. Parce que c'était un été très très chaud. Été très chaud et on était complètement en immersion. On passait un moment dans une zone qu'on taillait juste au rotofil pour passer à l'intérieur de ce qu'on avait laissé pousser, qui fleurissait beaucoup. Et donc on avait une espèce de piste d'atterrissage à insectes à hauteur de tête des enfants. On n'a pas eu une seule piqûre dans toute la période, donc ça veut dire que personne s'est affolé, et par contre on a énormément d'enfants qui ont regardé, et ça c'était vraiment la bonne surprise. Ils savaient nommer les plantes aussi et ils n'avaient pas peur de les goûter, il fallait même un peu faire gaffe parce qu'ils effeuillaient tout, et c'était le principe du jardin, mais ça a très bien marché de ce côté là et moi j'étais agréablement surpris. Je me suis dit bon bah ça marche finalement quoi. Et c'est cette question de aussi bien pour Jacques Clément que Coloco et peut-être Cécile Tournebotte de mettre, de scénographier les savoirs, c'est-à-dire de passer à l'exposition, de passer à l'écriture. Jacques Clément a énormément écrit. Hein, cette question d'aller chercher peut-être dans les coins, quoi, trouver une manière de dire les choses autrement. J'ai l'impression que c'est quelque chose d'important chez les uns et les autres depuis le début. Peut-être. Oui, Pablo. Cette partie d'écriture, elle a été longue et intense. Ça nous a pris deux bonnes années, parce qu'on est vraiment parti d'une feuille blanche pour cette exposition. Et on a structuré le contenu avec une première partie qui s'appelle « Adopter le point de vue du jardinier planétaire ». Entre nous, le nom de travail, c'était l'encyclo. Et c'est une sorte de petite mise à niveau sur les connaissances en biologie, sur l'histoire du vivant telle qu'on la comprend aujourd'hui. Cette compréhension évolue très vite. On sait aujourd'hui que nous sommes des holobiontes composés de dizaines de milliards de cellules qui travaillent en collectif, que la notion de sujet pensant unique elle est rudement questionnée par toutes ces connaissances, et à partir de là on fait un cheminement sur l'histoire du vivant, sur comment nous humains nous sommes arrivés aujourd'hui à nous poser la question qui sommes-nous et d'où venons-nous, et comment on peut se positionner par rapport aux différentes dynamiques de dégradation de la biosphère et de perte de diversité que nous vivons. Comment est-ce qu'on peut se positionner en tant qu'acteur engagé et qu'on peut passer à l'action? Et donc, nous, on le fait, bien entendu, avec le regard de notre métier. On n'est pas cinéaste, on n'est pas ingénieur, on n'est pas tout un tas de choses, mais le paysagiste est quelqu'un qui est une sorte de carrefour entre le savoir et l'action, et c'est ça qu'on a voulu mettre en sorte d'introduction d'exposition. Puis nous présentons 20 projets qui sont à chaque fois des histoires de comment est-ce qu'on construit un paysage, étant composé d'êtres vivants, végétaux, champignons, animaux, dont nous, humains. Et comment tout ça, ça tisse une histoire, ça tisse des relations, ça finit par faire quelque chose qu'on appelle jardin, quelle que soit son échelle, et même jardin planétaire, tel que Gilles l'a défini. Et donc voilà un petit peu la structure de l'exposition que vous allez trouver ici à Archipel. Et puis une invitation à l'action, une invitation à l'œuvre que vous allez découvrir. Alors justement, je rebondis là-dessus, puisque vous dites qu'en effet, dans le dossier de presse de l'exposition, qu'elle est une invitation à l'action et à l'optimisme. Alors je voulais un petit peu qu'on parle de cette question de l'optimisme, donc adressée à tous les publics. Hein. Et donc, comment pensez-vous pouvoir relever ce défi en une période pour le moins chahutée, hein, qu'elle ça soit, de toutes parts d'ailleurs, mais je pense à la question climatique et je pense aussi à la question démocratique et tant d'autres. Chez Clément, peut-être. Pardon, ça fait du bruit, mais bon. Ce qui est très, très positif,
avec cette exposition. Je ne m'y attendais pas du tout à ce que ce soit possible. Quand j'ai fait la proposition du titre au directeur de l'école, je me suis dit que j'allais avoir des bâtons dans les roues. Précédence du vivant, ce n'était pas ce qui avait été mis en place pour l'enseignement dans cette école. Et il a dit oui. Et puis elle s'est faite, et bon, quand j'ai eu cet accord, je me suis dit que je n'allais jamais pouvoir faire un travail aussi important, d'où la présence de Coloco, heureusement, sinon on n'y serait pas arrivé. Mais ça correspond aussi à une époque où il y a eu une prise de conscience, malgré tout, dans peut-être une couche plus importante de la population, disons jeune, sur des questions d'urgence, de changer de mode de vie, de vivre autrement pour ne pas détruire ce qui nous permet à nous de vivre. Donc il y a ce côté-là, comment initier un système pédagogique qui n'existait plus déjà depuis longtemps dans tous les centres d'enseignement, que ce soit des écoles, peut-être pas en primaire où il y avait quelque chose avec les enfants qui avaient le droit déjà, qui commençaient à de nouveau avoir le droit d'aller dans l'herbe alors que c'était interdit. Mais malgré tout, dans toutes les écoles, y compris supérieures, le vivant, on le met à la poubelle, on venait dans la rentabilité, on est dans l'esthétique, on est dans la compétition, et ainsi de suite. Mais certainement pas dans la compréhension de ce qui vit. Et la pédagogie mise en route avec les travaux de tous ceux dont on a affiché les œuvres, mais enfin, évidemment, le scénographe, Rudy Bord et puis Coloco, c'est quelque chose qui vient compenser un énorme manque. On n'avait pas ça. Et là, le fait qu'elle soit demandée ailleurs pour montrer des choses importantes dans d'autres lieux, c'est encourageant. C'est encourageant, sauf que, si j'ai bonne mémoire en termes de données, il y avait eu effectivement après le Covid tout un mouvement, ou en tout cas nous étions interpellés individuellement et collectivement sur le monde d'après, sur toute une série de curseurs, en tout cas de positions à prendre. Et puis je lisais hier que 2023 a à nouveau les chiffres de déplacement, par exemple en avion, on a dépassé l'antérieur du Covid, et que en effet on a le sentiment qu'il y a une prise de conscience, comme vous le dites, en tout cas d'une partie de la population et partout sur la planète. Ce n'est pas franco-français bien sûr, et qu'en même temps il y a cette question au cœur, cette question de base qui n'est pas encore vraiment posée parce que si difficile, qui est de me remettre en cause notre place au sein des vivants. Vous l'avez abordé, Pablo Georgiev, et en même temps nos modes de vie et l'ampleur de nos consommations nous empêche d'accéder à la gratuité, à la non-consommation. C'est interdit. Donc la publicité considérable qui a eu lieu pendant le Covid, et dans l'espoir qu'il y ait de nouveau énormément de passagers dans les avions, a été considérable. On n'avait jamais eu ça avant. Et la baisse des prix à certains endroits, enfin bref, tous les systèmes d'approche pour arriver à avoir le plus possible de consommateurs. Voilà, c'est fric ou rien. Ça s'appelle comme ça. Hein. Même si... Vous avez même un mot, j'ai vu dans votre texte. C'est un seul mot, ça s'appelle... Fric ou rien, j'ai dû le relire deux fois pour être sûr d'avoir bien compris ce nouveau mot. Voilà. Et puis l'acceptation du suicide, puisque la plupart des gens qui ont pris la conscience de ce qu'il ne fallait pas faire continuent à le faire pour avoir le fric. Donc il faut même crever, tant pis, mais riche. Pourtant, je crois que les linceuls n'ont pas de poche. Je voulais revenir sur la question de l'optimisme, qui n'a pas été abordée. Hubert Reeves le disait très bien, l'important ce n'est pas d'être optimiste ou pessimiste, l'important c'est d'être déterminé. Déterminé à faire ce qu'il faut, car on sait ce qu'il faut faire et on sait ce qu'il faut arrêter de faire. Donc il n'est pas question d'optimisme ou de pessimisme. Il faut être déterminé. Alors, prendre des décisions. Pablo, et donc Hubert Reeves, mais ce que rappelle Pablo, c'est comment on accède à la désobéissance sans se sentir coupable. On comprend. Puisqu'on comprend, on a accédé à l'intelligibilité du contexte. Tout le monde peut devenir intelligent, et on comprend que l'ordre qu'on nous donne n'est pas forcément celui qu'il faut exécuter,
ou si, peut-être, ça peut arriver. Mais si on dit que c'est pas bon, on désobéit. Mais on a compris. Et ça, c'est très, très important. Cécile Tournebeuf, je crois que vous vouliez intervenir. Oui, moi j'avais, sur la partie d'optimisme, ce qui était effectivement présente dès le départ. Donc, au départ, on avait un titre, d'ailleurs, sur cette expo. On avait une intention, l'action, on avait un lieu. C'était un peu disparate, puis ça s'est mêlé. Et moi, j'ai fait beaucoup de visites pendant l'exposition à Versailles. Et parmi les... Enfin, ce qui, je pense, a bien fonctionné et a permis, effectivement, à la plupart des personnes qui visitaient l'exposition d'en sortir non seulement enrichie de connaissances, mais volontaire, c'était cette... Le fait qu'on pouvait rentrer par différentes portes. On pouvait rentrer par le côté intellectuel, par exemple. Première partie, l'encyclopédie, on repart de l'extrêmement ancien au tout petit. On replace aussi toutes les luttes écologiques dans des continuités historiques qui sont souvent peu connues et qui montrent aussi qu'on peut aborder le sujet de l'environnement pur, avec beaucoup d'intentions très variables et pas forcément toujours positives, par exemple. Pas forcément toujours démocratique, par exemple. Et cette première entrée invitait à poser des questions. Et moi, ça a été d'ailleurs un des retours vraiment qu'a traversé toutes les visites qu'on a fait, notamment aussi avec Nicolas, Miguel, Pablo et Gilles, c'était que nos visites, qui d'ailleurs étaient plutôt prévues pour avoir une vingtaine de personnes, on se retrouvait généralement à 40 dans nos petits espaces, et il y avait beaucoup de questions. Et beaucoup de questions sur « Ok, très bien, maintenant... » Enfin, merci pour la présentation qui permet d'avoir un regard un peu plus clair sur comment fonctionnent les écosystèmes et pourquoi non seulement il faut le faire, mais dépasser l'injonction en comprenant pourquoi il faut le faire. Et en revanche... On rentrait assez vite dans des cas très précis et par exemple on a eu plusieurs visites d'agents publics, de collectivités locales ou d'experts de différents domaines, c'est ce que tu dis aussi Miguel, qui se disaient bah, moi je veux bien la pleine terre mais par exemple on est à Lyon, on a que des trous quoi, on a que du métro, du parking, des tuyaux et c'était un point, je pense que on a allumé un peu la mèche avec l'exposition. Il y avait cet élan. En fonction des personnes qui recevaient cet élan, il y avait ce côté très optimiste en disant on peut voir des exemples très précis qui existent, et c'était l'objectif des livres. On peut le voir aussi ces propositions qui sont faites de manière hyper pratique sur, par exemple, un plan de gestion ou comment monter une équipe projet. Enfin, on pouvait rentrer par la porte aussi très pratico-pratique. Et puis ensuite, quand on sortait de l'exposition, on avait ce jardin qui se déployait devant nous avec un côté beaucoup plus individuel, personnel, qui pouvait aussi donner une autre image. Gilles, tu parlais d'esthétique tout à l'heure, de ce que peut être le beau. Et là aussi, c'est difficile de ressortir. Alors optimiste, je ne sais pas, à la sortie du jardin, mais en tout cas, je pense qu'il y avait beaucoup de joie à la sortie de l'expo. Et sans doute de l'optimisme par derrière. Mais c'est peut-être l'aspect... Nicolas Bonon, enfin, vous voulez intervenir. Oui, oui. Non, un des éléments qui a été très important, c'est vraiment quelque chose de basique. C'est tout le monde se demandait, et qu'est-ce qu'on peut faire et tout ça. Et en fait, on les a positionnés rapidement dans une situation où on leur montrait qu'il suffisait de laisser pousser, d'arbitrer avec connaissance pour faire finalement paysage, jardin, ou en tout cas participer à cet acte-là. Et en fait, il y a plein de gens qui sont sortis de là en se disant « Ah oui, en fait, c'est facile, il suffit de laisser pousser partout. » Et donc, on leur disait « Oui, en contrôlant un peu. » À tel point, par exemple, qu'il y a la mairie de Montreuil, ils sont passés, et on leur a présenté, et à la fin de la visite, on avait une étude avec eux, on leur a dit « On va changer le thème. » Et c'était reconquête des délaissés du tramway, et c'est devenu « Plantons d'abord, construisons peut-être. » Donc, on a réussi à opérer ce changement-là qui est quand même assez radical. Quoi. Mais là, vous abordez une question, vous dites « arbitrer avec connaissance ». C'est le mot « connaissance » que je voudrais interroger. On lit en ce moment les travaux d'une chercheuse du laboratoire d'études rurales, une spécialiste de la ruralité en France, et elle ne s'étonne pas, hein, puisqu'elle est chercheuse et elle est sur le terrain en permanence, mais elle est assez, sidérée, j'extrapole un peu, hein, mais sidérée par justement la perte
absolue de connaissances ou de savoir-faire. Et là, pour le coup, en milieu ruraux, évidemment pas partout, évidemment qu'il y a des exceptions, mais qu'il y a notamment au regard de la question du jardin potager, je prends ce sujet-là en particulier, ou la question des haies. On peut prendre plusieurs sujets qui sont liés à la question agricole, hein, qui sont en grande oubli. Oui. Alors, je vais juste te dire une chose. Oui, Nicolas Bonenfant. Il n'y a pas qu'une perte de connaissances. Le constat le plus important, c'est qu'on s'est rendu compte au début, c'est ce qu'on a essayé de faire sauter avec, entre autres, le potager des autres, c'est une inhibition initiale à oser faire. Tout le monde disait, oui, mais moi, je ne sais pas faire, je ne peux pas faire, je n'ai pas le droit de faire. Le sujet, c'était vraiment de dire, attendez, démarrons tous, quoi. Donc, trouver et essayer de travailler à désinhiber un petit peu cette envie ou cette peur de mal faire le potager, pour parler du potager, ou de mal gérer une haie, du coup, bah, on rase tout au cas où, voilà. Toutes ces questions-là qui sont quand même inhérentes à cette société qui veut soi-disant tout maîtriser en maîtrisant rien, préfère ne pas faire que faire, quoi, dans certains cas. En tout cas, d'un point de vue du vivant, hein. Miguel Langef. Un élément important, je pense que la connaissance, elle a changé de propriétaire, elle a changé d'approche, elle s'est un peu élitisée, je ne sais pas comment dire, ce qui manque et ce qui a été la plus grande perte des Trente Glorieuses et de toute l'industrialisation de l'agriculture, c'est la perte de la connaissance empirique et qui vient par le faire, par l'audace, par l'apprentissage, l'expérience, le temps long, la nécessité. Et cette connaissance-là, il n'est pas du tout dit qu'elle soit perdue à jamais. On peut la retrouver, on peut l'actualiser, pourvu qu'on ose faire, et pourvu qu'on pratique. Et c'est un peu l'approche qu'on a eue, et à travers le potager des autres, et à travers l'exposition de 20 projets qu'on a jugés vertueux, et qui sont déjà des choses à l'œuvre. Certaines réalisées, certaines achevées, et sur lesquelles on voulait montrer au public et aux professionnels le fait que c'est pas quelque chose qu'il faut inventer, c'est quelque chose qu'il faut rassembler, réassembler de façon à en faire une connaissance actualisée, une connaissance peut-être plus informée avec des moyens contemporains qui n'oublient pas la relation au vivant, aux choses, au temps. À la météorologie, on passe plus de temps dehors. Donc comment voulez-vous apprendre ce que c'est que le vivant si on reste enfermé entre quatre murs et avec une connaissance qui est livresque ou qui est dans des ordinateurs ou qui est dans des choses qui sont moins accessibles que le partage d'œuvres collectives comme ça se pratiquait dans la paysannerie traditionnelle. Alberto Magnaghi appelle cela la rétro-innovazione, c'est-à-dire l'innovation par la redécouverte des savoirs empiriques anciens. Alberto Magnaghi dit il faut que les paysans enseignent à l'université, il faut que les paysans enseignent aux ingénieurs, il faut que le savoir du faire avec ce qu'on a à portée de main, si possible sans énergie fossile ou avec un minimum, il faut qu'on récupère ce savoir, la rétro-innovation, hein. C'est l'innovation par la reconquête de l'héritage qui va en parallèle avec des fantastiques découvertes sur le vivant qui sont largement aussi fascinante que ce qu'on est en train de découvrir sur l'intelligence artificielle et sur les larges bandelles de langage et ce genre de choses fantastiques aussi. Donc aujourd'hui, l'information, elle est gratuite, moyennant quelques pubs sur YouTube. Il y a des infinités de documentaires plus passionnants les uns que les autres, où des experts de tous les domaines vous font rentrer dans leur monde. Il suffit juste de prendre le temps de se dédier à cette connaissance. C'est au détriment peut-être de quelques selfies sur ses réseaux sociaux préférés. C'est à chacun de choisir à quoi on emploie notre temps. À quoi on emploie notre temps. Moi personnellement, je regarde tous les soirs 2 documentaires. Je n'ai pas la télévision.
et je bouffe beaucoup, beaucoup, beaucoup d'informations. C'est gratuit, c'est disponible, c'est très bien fait, c'est pédagogique. Il y a des réalisateurs merveilleux, des David Attenborough, des gens qui nous font redécouvrir la planète sous plein d'aspects. Donc la connaissance aujourd'hui, elle est hyper facilement accessible. Elle est pour le coup gratuite, moyennant le visionnage de quelques publicités qu'on subit. Ou alors on peut payer un petit abonnement et puis on n'a plus les publicités. Et aller discuter avec les paysans, se balader dans les champs, prendre le temps d'échanger avec eux, c'est aussi gratuit. Et ils peuvent même vous offrir un café éventuellement. Prenez juste le temps de discuter avec les gens qui savent. Alors là, vous ouvrez un monde, hein, parce que ça a l'air anodin, mais peut-être qu'on n'en discutera pas maintenant, mais cette question du choix. Du choix réel que nous avons. Alors évidemment, ça paraît évident parce que c'est gratuit, disponible, etc. Mais je pense que c'est aussi très compliqué de parler de nos choix. Je ne parle pas du vôtre ou du mien, mais je pense que ce n'est pas si simple. Mais je vais revenir à quelque chose dont vous venez de parler. C'est essentiel. L'exposition tisse des savoirs scientifiques, hein, des savoirs expérimentiels aussi, et cette question de la poésie, cette question de l'émerveillement. Enfin, vous l'avez un tout petit peu abordé. Donc, ça me paraît important qu'on s'arrête un moment là-dessus. Cette chose de se dire qu'on peut être émerveillé par ce monde, par la beauté, par le vivant. Hein, par le vivant, Olivier Amand que vous rencontrerez demain, vous parlerez de la robustesse du vivant. J'aimerais qu'on parle aussi. L'extrême fragilité. La fragilité, donc la résilience. Enfin bon, c'est des termes qu'on voit dans l'exposition. Est-ce qu'on pourrait parler de cette question que vous avez l'air de vouloir mettre, peut-être totalement égalité, mais quand même cette question de à la fois du sérieux de la science, de l'expérience et de la manière dont on la documente, et en même temps de rester sensible, émerveillé, touché, enfin voilà, cette espèce d'équilibre. Est-ce qu'on peut parler de ça? C'est parce qu'il faut pas confondre sérieux et triste. être sérieux, ça peut se faire avec un grand sourire, avec de la musique brésilienne et en remuant ses fesses. On peut être extrêmement sérieux en étant joyeux. C'est ça. On a souvent une confusion sur cet aspect, comme quoi il faudrait être triste ou abattu pour être sérieux. C'est absolument faux. Je vous remercie, Gilles Clément, peut-être. Oui. Les humains ont cette complexité, sensibilité à tout niveau. Ils doivent pouvoir l'exprimer. Dans la lecture d'un paysage, il n'y a pas que ce que l'on voit avec le regard, il y a aussi ce qu'on entend, ce que l'on sent, ce que l'on touche. Et tout ça a quelque chose à voir dans la restitution, dans la lecture, avec l'art. Mais finalement, on appelle ça l'art, mais quand on restitue, on dessine, on écrit, etc. Mais ça, c'est quelque chose que tout le monde absolument peut faire. Même ceux qui ne se déclarent pas du tout des artistes. Ils ont vécu, et ils l'ont ressenti, et ils le restituent. Maintenant, la question d'une relation de cette dimension-là, qui est très humaine, hein, avec le reste du vivant, elle est beaucoup plus difficile, elle est rendue beaucoup plus difficile parce que l'accroissement de la connaissance sur la possibilité d'un dialogue qu'on aurait, quelle que soit sa façon de procéder, elle n'est pas acceptée par tous ceux qui nous gouvernent et qui estiment que mieux connaître, c'est accéder justement à une économie de la non-dépense. La loi d'orientation de 2007 sur l'interdiction d'usage des PNPP. PNPP. Oui. Pouvez-vous nous le dire? Bien sûr, on peut gérer. Là, ça s'appelle les produits naturels peu préoccupants. Il faut dire que, bon, interdit de faire du purin d'ortie, de prêle ou de consoude ou autre chose. C'est-à-dire de ce qui nous évite d'aller acheter toutes ces substances et qu'on peut fabriquer soi-même, c'est gratuit. Donc, interdiction d'accès à la gratuité, c'est pas nouveau, hein. Et c'est renforcé constamment. Donc, ça explique, donne une réponse en tout cas à une question que vous posiez sur le fait que le vivant n'est plus enseigné. Mais oui, si par hasard il l'est, on arrive à comprendre qu'on peut faire quelque chose. Et on devient autonome, indépendant. C'est-à-dire qu'on cesse d'être dans la consommation.
Je voudrais ajouter une chose qui me paraît extrêmement importante, c'est que la connaissance est éminemment une construction collective. Et là, nous sommes un gros collectif de 8 milliards de personnes qui construisons ensemble la connaissance. La connaissance, ce n'est pas moi tout seul avec mes bouquins, ni avec mes documentaires. C'est l'échange permanent, c'est un tissage de relations où, quand on ne sait pas, on appelle un copain qui a un copain qui sait ou qui pourrait indiquer une piste. Et ça, c'est une toile d'araignée du savoir et de la ressource scientifique, humaine, de l'imaginaire. On peut déclencher les choses. Souvent, on se trouve limité parce qu'on est seul. Et on se déclare seul. Et on se trouve seul derrière son smartphone à tapoter sur des réseaux sociaux qui nous happent notre attention pour visionner des publicités. Or, si on prend la peine de déposer ces machines quelques heures par jour dans un casier ou dans une cage de Faraday, si on est vraiment pointu... Un congélateur, je crois que c'est la bonne planque. Voilà, congélo, c'est bien. Et donc, si on accepte de dédier un peu de temps à tisser ce réseau, il est personnel. Chacun est au centre de son réseau, mais tous ces réseaux-là sont connectés en une espèce de figure vivante et constamment mouvante, absolument extraordinaire. Donc, si on se représente la connaissance comme ça, c'est absolument fantastique parce qu'on accepte de rentrer dans une sorte de jeu moléculaire extrêmement complexe qui change tout le temps, où il faut aussi réviser ses propres connaissances avec les nouvelles informations qu'on prend. Notre cerveau, il fonctionne comme ça. Quand on enregistre une chose, elle ne reste pas telle qu'elle, ce n'est pas un disque dur. Les fichiers, ils ne sont pas figés. Votre cerveau, tous les soirs, et ça s'appelle les rêves, votre cerveau, tous les soirs, réinterprète les informations qu'il a stocké en fonction de ce que vous avez vécu la journée. C'est à ça que ça sert le sommeil paradoxal. Et donc c'est absolument extraordinaire si on se laisse aller juste à vivre et à laisser vivre son cerveau et ses émotions et son intellect, alors on se met à faire partie de quelque chose de fantastique sur lequel l'espèce humaine a atteint des degrés de perfectionnement d'ouverture et de capacité à générer des territoires de recherche et d'invention unique dans l'univers, probablement, pour ce qu'on en connaît jusqu'à aujourd'hui. Et donc, il faut rester modeste et accepter de faire partie de quelque chose qui est beaucoup plus complexe que nous, dont nous sommes une toute petite molécule, comme les cellules qui font notre corps. Et alors, on devient partie prenante de l'organisme de la connaissance. La connaissance est organique. Cécile Tournebel, et après Miguel. Ouais, sur la connaissance commune dont tu parlais, Pablo, je crois qu'un des points importants dans la... Pardon, il faut que je me rapproche, c'est ça ? Pardon. Ce qui était très important dans l'exposition, c'était d'en faire quelque chose, déjà un objet, mais aussi un lieu beau, c'est-à-dire un endroit dans lequel on allait avoir plaisir à se trouver. Et le lieu à l'orangerie ici la met encore plus en valeur, je trouve. Et puis aussi, c'était d'avoir la possibilité de la partager à plusieurs. Donc, ça, c'est aussi tout le travail de Rudy Bohr et de Maren Holman, qui ont travaillé beaucoup sur la mise en forme de l'exposition, d'avoir penser à créer ces très grands livres, d'avoir laissé la place à des grandes images et à des représentations qui sont souvent incongrues, en tout cas peu habituelles. Un plan de gestion comme celui qui est derrière nous, donc une forme très dessinée où on va voir un calendrier, les différentes phases de végétation, la manière dont les floraisons, les grands événements de l'année sont représentés. C'est pas quelque chose de courant et c'est quelque chose qui donne envie de s'intéresser. Et comme tu disais aussi, le sérieux, c'est pas triste, c'est pas moche, ça peut être gratuit et ça donne vraiment envie, en fait, de s'avancer. Ça, c'était aussi quelque chose qui était très physiquement visible. C'est-à-dire que les personnes restaient longtemps, en fait, dans cette exposition, à tourner les pages et repartaient généralement en disant « Bon, je ne sais pas si je pourrais revenir, mais est-ce que vous allez faire un livre ? Est-ce qu'on a la possibilité de revenir sur cette connaissance ?» De poursuivre, oui. Miguel. Moi, je voulais revenir à la première question de la perception de l'esthétique en considérant que c'est des sources d'alimentation de l'esprit, comme le pense la tradition chinoise, par exemple, qui explique que l'esprit s'alimente de toutes les perceptions qu'on,
qu'on vit au jour le jour, à travers tous les sens, à travers la peau, et que en fait cette connaissance-là, elle est complètement mise à l'écart ou dévalorisée. Toute l'expérience de faire partie d'un paysage, c'est ce qui nous a motivés pour pratiquer ce métier, de parcourir des espaces. Beau ou pas beau, d'ailleurs tout à fait à distance d'un jugement de cette esthétique-là. Et je pense que par la pratique, il y a une connaissance. À chaque fois qu'on rencontre des jardiniers néophytes, on leur dit mais en fait, les meilleurs jardiniers, c'est les anciens. Il n'y a pas de championnat du monde de jardinage, il n'y a pas d'épreuve, ça ne s'apprend qu'avec du temps. Et cette vision du temps long et de la pratique et de voir les saisons, sentir le vent, attendre la pluie, savoir que les pommes de terre se sèment à la floraison des lilas, par exemple, tout simplement. C'est des choses qui sont aussi savantes, aussi vertueuses et aussi utiles que d'un savoir plus livresque, plus académique. Je pense que cette question de l'esthétique aussi, elle est éminemment anthropocentrique, c'est-à-dire que c'est nous qui jugeons toujours ce qui est beau. Est-ce qu'on se pose la question, est-ce que les plantes nous trouvent beaux, nous les humains ? Est-ce qu'elles nous trouvent cool ? Est-ce qu'elles nous trouvent sympathiques ? Il faut leur poser la question, n'est-ce pas ? Différentes tribus d'Amazonie avec qui j'ai pu m'entretenir par visio, magiquement, notamment le cacique Bichin, qui vit à la frontière du Pérou et du Brésil, disait nous, ce sont les plantes qui nous enseignent. C'est pas, nous reconnaissons aux plantes une autorité, n'est-ce pas, sur le savoir, parce qu'elles sont là depuis beaucoup plus longtemps que nous. Elles sont capables de fabriquer leur propre nourriture, sont capables de survivre en perdant une grande partie de leur corps, de leur organisme. Elles sont capables de régénérer des organes, chose que nous ne savons pas faire, les animaux, très peu. Et donc, nous avons des enseignements à recevoir. Lézards, je crois que les lézards, ils ont la queue qui repousse. Oui, non. Mais on régénère les cellules de la peau tous les jours, non, je vous rassure. Je ne suis pas inquiète. C'est un peu radical. Néanmoins, ce qui est important, c'est que nous avons à apprendre des végétaux, ça c'est certain. Et alors, cela se pratique par des diètes de plantes. On choisit une plante, je ne sais pas, par exemple, la mélisse, et on va s'isoler pendant 3 semaines. Et on ne fait que mâcher de la mélisse. Et en fait, on... Nicolas Bonfond, je ris. Hein. Vous ne l'avez pas fait. Mais néanmoins, il est sérieux. C'est-à-dire que... c'est-à-dire qu'il n'est pas obligé d'être triste pour être sérieux. Non, mais j'y crois sans doute, mais... mais personne ne l'a fait. Vous l'avez fait ? Le jeûne de plantes ? Oui, de mélisse. Pas sur 3 semaines. Non. Pas sur 3 semaines, sur 2-3 jours. Ouais. Et je m'y essaye, là, j'apprends, je suis vraiment un tout petit scarabée, n'est-ce pas ? Je commence mon chemin. Et donc, effectivement, quand vous mâchez la même plante que vous choisissez en fonction de vos pathologies ou de votre recherche personnelle ou spirituelle par rapport à des souffrances que vous avez, eh bien, quand vous mâchez la même plante pendant 3 semaines, la plante, elle pénètre votre organisme. Le goût, les molécules, n'est-ce pas, de cette plante, elle pénètre votre système digestif. Votre système digestif se vide. Vous êtes pénétré par la plante qui fait partie de vous. Et là, vous recevez des enseignements. Donc, c'est des choses qui sont pratiquées depuis des millénaires par des gens qu'on prend pour des analphabètes abrutis et qui en savent tellement, tellement, tellement plus que nous sur le vivant, que y a des choses où il faut, je crois, nous remettre, nous humains, à une position moins en haut de la pyramide, accepter qu'on est dans un cercle où tout le monde participe de cette connaissance-là, et qu'effectivement, il nous appartient à nous de trouver le moyen de recevoir les enseignements des plantes, plutôt que nous dire vous êtes belle, vous n'êtes pas belle, on va vous tuer, on va vous couper, on va vous désigner comme indésirable, invasive, vous n'avez pas le droit de vivre à cet endroit du monde, vous êtes exclu. Et donc c'est à nous de reconsidérer, de ce point de vue-là, notre rapport à l'esthétique.
Justement, on va élargir cette question-là. Effectivement, c'est là que je voulais aller. Gilles Clément, on regarde vos travaux, on vous lit depuis le Jardin en Mouvement. Enfin, donc c'est 91 de mémoire. Et vous avez développé une philosophie du jardin qui redéfinit le rôle du jardinier en accordant une place centrale à la question de l'observation, de la coopération. Hein, donc ça, on poursuit ce qu'il y a. Et on a eu la chance jeudi dernier à Lyon, grâce à Archipel une fois de plus, d'écouter Philippe Descola et Alessandro Pinocchi qui étaient en dialogue. Et donc je voulais savoir si, comme Descola, vous pensez que la nature n'existe pas, qu'elle est un concept occidental en fait. Avec une histoire évidemment longue qui s'est incrémentée de différentes manières et qui nous a permis jusqu'à aujourd'hui de nous mettre à distance des non-humains, hein, ce qu'on appelle les non-humains, et de pouvoir en profiter comme d'une mine, une mine avec un puits sans fond, sauf que ça nous revient à la figure aujourd'hui. Et je voulais avoir votre avis et puis évidemment ceux des autres invités autour de la table. Je trouve qu'il est très important qu'on sache que le mot nature a été construit, proposé par les Grecs anciens. C'est Isabelle Stengers qui m'avait appris ça en 2000 quand je faisais l'exposition sur le jardin planétaire. Il était nécessaire pour ces Grecs de l'époque de, alléger la complexité de leur système de superstition. C'était polythéiste, animiste, bon. Il sort tous les éléments du vivant non humain pour l'étudier scientifiquement. Donc on le met à part. Et on rentre dans un autre système. Et cette distance qui a commencé à être prise à ce moment-là n'a fait qu'augmenter avec la technologie qui est de plus en plus performante et qui nous met avec le sentiment que ça... Ce sont des petites bêtes, des petites, etc. On les regarde de plus en plus avec des loupes, et ainsi de suite. Et finalement, la distance augmente et on domine. Et c'est écrit dans les textes, même dans ceux de la raison ou de la religion, chez nous, beaucoup, beaucoup dans les monothéismes, mais enfin même en général, c'est partagé. Il y a les hommes et puis la nature à côté. Avec la discussion qu'on a pu avoir, bon, Philippe Descola, je l'ai revu encore là, il y a 3 jours, on a beaucoup discuté. Il a, lui, vécu avec des hachoirs, donc animistes, il connaît bien la façon dont ça se passe. Il se trouve que Pinocchi aussi, bien sûr, est allé dans ces lieux. Et je trouve que le dernier livre qu'ils ont fait ensemble est merveilleux. Ça, pour le coup, ça donne un peu d'espoir. Et c'est très intéressant parce que ça nous met face à une nécessité que nous avons de rentrer dans un dialogue qui a été évoqué plusieurs fois, avec une nature dont nous connaissons très peu de choses, alors que c'est une possibilité. Mais les travaux que nous avons pu commencer, essayer de faire, en tout cas, avec le CNRS, avec d'autres organismes scientifiques, l'INRA, etc., sur la conversation entre les plantes, par exemple, avec des scientifiques qui étaient d'accord pour travailler avec nous, et qui, les résultats, donc, auraient pour mission d'intervenir sur le mode de gestion en allant vers une gestion plus intelligente, beaucoup plus économe, etc. Et ça n'a pas marché. Parce qu'il n'y a pas eu les financements pour, alors que les organismes et les scientifiques étaient là. Ce qui n'a pas marché, c'est quoi? C'est le changement d'échelle? Non, ce qui n'a pas marché, c'est l'argument du coût de l'opération. Alors qu'il existait, il était connu depuis longtemps, il avait été soutenu par les directions. Mais bon, il y a eu un petit crack, un petit hic, tout à coup la région change de direction, si vous voyez ce que je veux dire. Oui, je vois. Voilà, et hop, il n'y a plus rien. Et hop, il n'y a plus rien, c'est un peu notre avenir. Merci, Pablo Turgeff. Je pense que, comme le mentionnait Gilles, il y a, avec les Grecs et la rationalité qui commence à devenir le mode de pensée majoritaire, une sorte de volonté de classement dans des cases, aujourd'hui on ferait des tableaux Excel, de l'ensemble des phénomènes qu'on ne comprend pas.
ou qui sont trop complexes pour être décrits par un système de catégories finies. La magie, par exemple, ça c'est très difficile à expliquer. Et donc, ce mouvement se poursuit avec le classement, les inventaires botaniques, l'inné, etc. Et donc, on a construit une connaissance rationnelle du vivant. C'est extrêmement utile, et nous, on travaille avec tous les jours, et c'est aussi ce qui nous rend opérationnels, d'un certain sens. Mais on a laissé de côté toute la complexité de la connaissance de la nature qu'ont pu construire les aborigènes d'Australie, qui savent lire les rêves des pierres, qu'ont construit les Indiens d'Amazonie, qui savent donc dialoguer avec les plantes et avec les esprits des jaguars, des Inuits, qui dialoguent également avec les esprits et qui savent distinguer 60 nuances de blanc dans le paysage. Et donc, je pense que cette classification-là a ouvert la possibilité aujourd'hui de définir le vivant comme une série d'organisations moléculaires. Et là, on a inventé une fantastique législation. Si on en modifie une petite chaîne, alors on a droit de le breveter et on en devient propriétaire. Alors ça, c'est assez... c'est le bout, on va dire, de cette pensée classifiante, opérative. Et donc aujourd'hui, on est en mesure de modifier génétiquement des humains et donc d'en devenir propriétaire. Techniquement, c'est possible. On n'a pas les législations pour, mais techniquement, on peut breveter des humains aujourd'hui. On le fait déjà avec les céréales, on le fait avec les animaux d'élevage. Donc, cette manière de comprendre et de construire la connaissance, ça nous a amené à ça aujourd'hui. Donc, c'est des enjeux de devenir propriétaire du vivant. Or, Gilles parlait de la gratuité, et toutes les cultures indigènes partent de ce principe que l'humain fait partie du vivant et qu'il n'en est pas propriétaire, qu'il est simplement participant, voire même qu'il est au service d'autres espèces ou d'autres esprits. Et donc, voilà où on en est aujourd'hui. Mais en même temps, il y a aussi des mouvements, enfin on voit ça et là, je pense par exemple à la question des entités juridiques que l'on donne. Il y a plusieurs exemples sur la planète, que ce soit un ring, un fleuve, on voit bien que des humains se mobilisent avec des collaborateurs. Reconnaissent, voilà. Donc on voit, alors encore une fois, ça ne fait pas système, on est bien d'accord. Mais on voit bien qu'il y a cette controverse qui s'installe. C'est encore très déséquilibré, certes, hein, mais on voit bien partout, encore une fois, partout sur la planète, des controverses de ce type qui s'installent et qui grandissent. Miguel, Changef. Ce qu'on évoque là, ça invoque un texte pour moi très important dans le travail qu'on fait en commun depuis quelques décennies maintenant, et de Gilles avec l'alternative ambiante. C'est un livre qu'il a écrit, je sais plus, dans les années 2010, autour de 2010, dans lequel cette exposition de la situation actuelle, qui n'a pas tellement changé depuis, de l'effondrement d'un système unique, monolithique, qu'on voit progresser vers sa déréliction, est à l'œuvre. Et puis apparaissent simultanément, c'est peut-être là la source de la question précédente de l'optimisme ou de l'esthétique, des milliers, des centaines, des milliards d'initiatives, de petites épreuves dans lesquelles cette relation au vivant, dans cette relation aux autres, dans les relations de collaboration, d'entraide, d'empathie, sont à l'œuvre. Elles sont difficilement identifiables et classifiables dans un système à double entrée. N'empêche que c'est là où je pense que le futur réside en termes de devenir possible, c'est dans l'assemblage de toutes ces initiatives en place. On a le réseau Relié en France, par exemple, avec tout leur travail sur l'espace rural. Et en fait, c'est là, je pense, que
l'alternative de quelque chose de nouveau qu'on ne peut plus, qu'on désespère de voir apparaître. Et là, et qu'il s'agit d'ouvrir grand ses yeux et de voir les signaux faibles pour pouvoir inviter ces petites épreuves. C'est un peu le travail qu'on a fait en inventoriant ces 20 projets qu'on expose dans l'exposition aujourd'hui. Il y a des toutes petites choses très simples, très basiques, mais oui, néanmoins essentielles. Les échelles sont très différentes. Volontairement, pour comprendre qu'en fait, l'action symbolique, l'action vertueuse, l'action prometteuse, elle n'a pas d'échelle, elle n'a pas de valeur a priori, et elle peut aller chercher dans ce réseau, dans cette mise en réseau d'initiatives qu'on se doit d'aller explorer pour voir comment le futur peut se construire autrement que par la poursuite d'un système morbide. Justement, je vais poursuivre là-dessus et avec Coloco, justement, avec cet atelier qui rassemble des paysagistes, des urbanistes, des botanistes, des jardiniers, des artistes. Et donc, vous travaillez en réseau. Et vous avez plusieurs fois évoqué plusieurs cercles, en fait. On appelle, il y a possibilité de voir des choses, d'appeler quelqu'un. Enfin, donc on voit bien que vous travaillez de cette manière-là. Et je pensais à Hartmut Rosa, je pensais à cette question de rencontre qui serait de l'ordre d'une résonance, c'est d'une relation au monde différente. Est-ce que c'est quelque chose que vous aviez, parce que je rappelle l'atelier, vous l'avez créé en 99, donc juste à la fin du 20e siècle, toute dernière année. Est-ce que c'est quelque chose qui était déjà très conscient de cette manière de faire, Nicolas Bonenfant? Il faut quand même voir que la fin des années 90, c'était un autre monde à l'époque. D'ailleurs, on est passé juste, on voulait justement que ce soit avant les années 2000 qu'on commence officiellement à travailler ensemble. Non, il y avait encore des choses très verticalisées, avec assez peu d'horizontalité dans les projets. On est tous un peu des transfuges de notre discipline d'origine. Moi, je voulais être jardinier, je suis devenu architecte parce que c'était un cursus logique. Et après, je suis devenu paysagiste. Enfin, on a tous comme ça des backgrounds différents les uns des autres. Et en même temps, dès le début, la structure, l'évolution de la société telle qu'on la percevait quand on était très jeune, c'est qu'on voulait pas monter une société verticale avec une belle pyramide, une tête et une verticalité totale. Donc on s'est associés, on faisait partie des premiers collectifs, des choses qu'on appelait collectifs, où on travaillait avec beaucoup d'horizontalité, chacun avec des compétences différentes, mais sans pour autant assigner chacun sa compétence. Alors c'est pas parce qu'il y avait un architecte pur qu'il n'allait jamais toucher aux autres et vice versa. Des designers, on avait aussi, c'est comme ça aussi qu'on a commencé à travailler avec, dès ce moment-là, des graphistes, Rudy Bor, entre autres. Et donc il y avait cette volonté d'aller casser un petit peu les cadres. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'on a commencé aussi par des actions artistiques, des choses qui étaient plutôt dans le domaine de l'art que dans le domaine du paysage pur tel qu'il était conçu à l'époque, avec des appels d'offres et des choses très classiques, pour justement pouvoir ne pas avoir les mêmes attentes, obligations de résultats, et être plus dans la prospective. Miguel. Moi, je voudrais compléter cette horizontalité, ce collectif, par justement en chantant Gilles, par la rencontre quand même avec certaines figures qui nous ont marquées dans ces années d'études, de jeunesse, dont Gilles Clément, l'un des principaux inspirateurs de cette façon de faire, mais il y a aussi Philippe Madec, qui a beaucoup compté pour nous dans cette façon de lire le territoire, de lire qui est un peu l'instigateur d'un mouvement de la frugalité heureuse, je crois. La frugalité heureuse, exactement. Donc Philippe Madec, c'est quelqu'un qui a beaucoup compté pour nous dans cette aspiration vers des choses. J'étais en stage quand j'ai quitté le lycée après être passé en conseil de discipline et déclaré
inapte à m'entendre avec le système. Pour ne pas que je devienne un jeune délinquant, ma maman m'a trouvé un stage chez Philippe Ledec, qui a bien voulu m'accueillir. Ouais, merci Philippe. Merci. Je lui en serai éternellement reconnaissant. Merci Philippe. Pour son rôle éducatif. Je ne voudrais pas oublier Patrick Bouchain, par exemple, aussi, qui a su nous montrer à quel point on peut rompre avec les normes ou les pratiques. Qui lui-même n'est pas architecte de formation, parce que vous parliez tout à l'heure de... Voilà, et qui est allé ailleurs, qui est allé là où il a envie d'aller, en fait. Et qui nous a incité beaucoup à cette liberté d'action. Et puis Francis Allais, qu'on a rencontré un peu plus tard avec Véronique Mur, et qui nous a ouvert à la complexité d'un monde bien plus vaste, tropical, lui qui réfléchit en siècles, lui qu'on a invité aussi en tant que projet, parce qu'il propose une forêt primaire qui doit s'installer sur 700 ans. Alors dites-moi qui et dans quel métier on réfléchit, peut-être les astrophysiciens, mais en tout cas il est très salutaire de pouvoir rencontrer des personnalités comme ça, qui sont des personnalités qui étaient déjà connues, reconnues quand on a commencé à réfléchir et à travailler, mais qui ont toujours servi un peu d'horizon pour pouvoir nous dépasser nous-mêmes dans notre pratique, et quelque part mettre en pratique, faire fabriquer de nos mains des choses qu'ils avaient pensées, qu'ils avaient préconisées, qu'ils avaient réfléchi d'une façon plus théorique parfois, ou même dans la pratique, parce que c'est tous des gens de terrain. Tous des gens de terrain. Pablo, puis ensuite... Il y a une autre personne. Oui. Qui a été fondamentale pour nous, en tout cas pour moi. Ma maman. Tout en premier, parce que sans maman, ciao maman, ti voglio bene. Il y a une autre personne avec qui nous avons partagé une expérience extraordinaire de 2004 à 2006, le cinéaste Tony Venturi de São Paulo, qui est décédé il y a quelques semaines à l'âge de 68 ans d'une... vraisemblablement d'une crise cardiaque. Il s'est noyé dans la mer, il a été rappelé à Yamanja. Comme Le Corbusier. Exactement. C'est fou. Et donc, Tony, si tu nous entends là-haut, tu comprends le français, je le sais. Et j'espère que tu recevras notre invitation. Donc, je voudrais dire que je pense que nous avons la chance de vivre une histoire assez extraordinaire dans ce collectif. D'abord par la rencontre et la magie qui opère entre nous trois au départ, hein, quand nous décidons de travailler ensemble et de se déclarer un collectif. Je reprendrai pour cela les cinq qualités de l'homme. Il nous reste peu de temps. Oui. Tel que les décrit Fernando Pessoa dans son poème Message, très important. La sympathie. Sans sympathie, il ne se passe rien. La compréhension. Il faut trouver le moyen de se comprendre quand on travaille ensemble. Même si parfois on s'engueule, on se dit les choses, on se déteste, après on se comprend. Il y a l'intelligence. Il faut aller vite, il faut comprendre ce que l'autre veut dire. Il faut accepter de changer ce que nous on pense, plutôt que de vouloir imposer notre idée, d'accepter de revoir ce qu'on pense être bon, parce que ce que dit l'autre c'est peut-être mieux. Il y a la sagesse, c'est-à-dire que il y a des énormes moments de tension dans notre profession. Faire une expo comme celle-ci, c'est un boulot démentiel. On est fatigué, on n'en peut plus, on a envie que ça finisse. Et puis il y a la cinquième qualité que Fernando Pessoa appelle le souffle du Saint-Ange, et qui est quelque chose qui, à un moment, se passe entre les personnes. Vinicius de Moraes dit « La vie, c'est l'art de la rencontre ». Et donc, quand il se passe quelque chose de magique entre les gens, et qu'en plus, on a eu le bonheur de voir des personnes qui se sont rapprochées de nous, qui ont agrandi ce collectif, qui aujourd'hui le portent autre part, avec leurs intentions, nous, on les appuie. Maintenant, nous tendons de plus en plus
à passer au second rang et à laisser des front women ou des front men faire ce boulot de représentation qui est très fatigant. Moi, je mets un bracelet de sécurité et je nettoie les toilettes pendant que la nouvelle génération va monter au front, parce que nous, on a 52 ans, on a le physique qu'on a et on a la patate grave, mais on a besoin de renouveler les générations. Et nous, tout comme Gilles nous a passé énormément de choses, aujourd'hui, nous, on est en train de passer aux prochaines générations qui vont continuer le boulot, parce que du boulot, il y en a toujours et de plus en plus. Et donc, ça, je crois que c'est vraiment la beauté du collectif Coloco. Je retiens la question de la beauté du collectif. Et peut-être, pour finir, Gilles Clément. Avec ce que viennent de dire les colocos, je les mets au pluriel. Vous avez entendu des jardiniers planétaires. La première fois que j'ai eu l'occasion de prendre cette mesure, c'était quand j'ai discuté avec Miguelito, je l'appelle comme ça, qui était étudiant à l'école du paysage où moi j'étais enseignant, et il avait fini ses études. Il dit, oh, j'aimerais bien qu'on travaille ensemble. Puis moi j'ai dit, oui, moi je suis occupé, là je dois faire des conférences en Colombie. Bon, justement, ça tombait pas trop mal. Et on est parti, il m'a aidé. Et j'ai compris qu'il y avait une dimension planétaire, peut-être pas complètement prise en conscience, mais qui était réelle. Une facilité de voir le monde à plusieurs échelles, dans plusieurs langues. Avec un papa bulgare, une maman italienne, ils ont vécu en Argentine, ils sont en France, ils parlent anglais aussi, bien sûr, voilà, tout. Donc, on peut approcher plusieurs façons de voir le monde et de se positionner par rapport à tout ça. Et tout le monde n'est pas comme ça. Ça m'a énormément rassuré quand j'ai rencontré le groupe un peu plus tard, et à partir de 2003, ils se sont retrouvés dans ce qui était autrefois mon atelier et mon agence à Kant, qui est devenue Coloco. Coloco. En tout cas, je vous remercie tous les cinq. Le public aura l'occasion de vous retrouver demain à midi au Musée d'Art Contemporain, donc juste de l'autre côté de l'Orangerie du Parc. Il pourra acheter aussi le livre. Et on pourra aussi acheter le livre. Et vous aurez deux compères supplémentaires, le biologiste Olivier Hamon et l'historienne de l'art Florence Messonnier. Et je rappelle que l'exposition dans laquelle nous sommes, qui ouvrira demain soir, enfin l'inauguration demain soir, sera visible tout l'été jusqu'au 22 septembre. Gratuitement. Toutes les portes ouvertes. Et je vous remercie infiniment. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci. Radio Anthropocène. À l'écoute du changement global.